Eh bien, salut à tous, c'est Fixy. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis, sur Call of Duty Vanguard. On va tester le mode champion de la colline solo. C'est parti. Les amis, on se retrouve du coup sur ce mode qui est le... Voilà, qui est le même mode, mais en solo. Donc, on va devoir du coup tuer des adversaires. Donc, en fait, il y aura un adversaire par adversaire. Bref, alors... moi, ce que je vais prendre, c'est plutôt là. Ouais, non, pas du tout. C'est vous, putain. Pas de course, éventuellement. Plaque d'armure. Avion espion. Armure complète. Kit de complète armure. Vas-y, on va prendre ça. Tac, de toute façon, j'ai plus d'argent. Et donc, voilà. Donc là, en tout cas, les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je ferai la même gameplay en trio aussi. Et en duo. Comme ça, vous pourrez voir la différence... qui est tout simplement le nombre de joueurs par partie. Donc voilà, donc là les amis on peut voir toutes les maps. Ok, donc on a 6 vies chacun les amis, ça change du duo. Et il y en a une Charlie qui a 0, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, bref, peut-être que ça a déjà commencé. Donc en gros on a 6 vies chacun. Et l'objectif c'est... Bah logiquement on est tout seul là. On peut passer par là aussi je crois. Si je me cache ici, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas. Je vais mettre ici, logiquement. Premier sang. Ok, ce qui est bien, c'est qu'on peut améliorer les armes, les amis. Et ça, c'est top. C'est vraiment top, les amis. Parce qu'on a pas... Oh putain. Oh putain. Oui. Putain, on a fait le bâtard. Nickel. Donc là, on est toujours au-dessus. Ok, donc on va devoir attaquer les fuckers qui ont une chance, qui ont une vie en moins. L'objectif étant bien évidemment de pas crever. C'est toujours un stress hein. L'équipe Easy a été liquidée. Il ne reste plus que 6 équipes. Oh purée de pomme de terre. Je sais pas si on peut appeler ça des équipes hein, vu qu'on est plusieurs. Vu qu'on est tout seul je veux dire. Je vais camper hein, durant tout le long, je m'en fous. Je vais vraiment faire le gros campeur de ces morts. Qui a aucune race. J'ai pas envie de crever. S'il arrive, il risque sûrement de sauter. Oui. J'ai pas envie de crever, tu vois. J'espère que vous comprenez. Oui. Ok, égalité. L'objectif c'est clairement de rester le plus longtemps possible, hein. Donc en gros, si je peux éviter, s'il y a des combats où je peux éviter d'aller vers l'ennemi, c'est cool. Comme ça, ce qui se passe, bah, tout simplement, c'est que bah, je suis en sécurité, comme on dit. Et du coup, eh ben, les autres s'entretuent pendant ce temps. Moi, je suis pépère. Oh, tirer à l'aveugle. Ouais, non. Oh le fils de pute. Oh le fils de pute. Pour la peine. Il vous reste 5 vies. Putain, il est où ce bâtard? Il peut être derrière moi. Vous avez 10 secondes. Oh le fils de pute, je l'ai vu. Non, je l'ai vu. Ah non, je l'avais vu, putain.
Et Georges, il faut vraiment les éliminer, ils sont toujours premiers, eux. Il est toujours premier, Georges. C'est le moment ou jamais de vous ravitailler. Putain. Plaque d'armure. Ok, on a quoi d'autre ensuite? Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ok, bah, j'ai pas le choix, quoi, en fait. Vas-y, go pour plaque d'armure. Par contre, Georges, il faudrait peut-être les commencer à les éliminer parce que eux, ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours. Il a toujours 6 Plus de vies, ce 10 bâtard. secondes. Ok, donc là, on est tous en train de. Bah voilà, de se ravitailler. Donc en gros, on est. Ok, j'ai tombé sur ceux qui ont 4. Sur le mec qui a 4 vies. Donc là, bah, on va pas changer bonnes habitudes comme on dit, on va se mettre là. On va se mettre là, je veux dire. On va se mettre là. On va attendre. Le mec va passer et on va le déglinguer. C'est grand mort. Il y a déjà un cadavre. Hein. Oh putain! Vous avez 10 secondes. Qui? Il avait cassé une barricade. Faudrait que j'ai réussi à me choper une vie, un de ces quatre là. Oh nickel, on est contre le mec qui a 2 vies. Oh putain, là on est bien. Bon, on est bien. Faut faire gaffe, hein, parce que les mecs qui ont 2 vies, généralement, ils sont plus hargneux, ces fils de pute, et du coup, ils peuvent nous niquer plus facilement. Il faut absolument que je fasse gaffe. Oh putain, il y a une vie qui est juste là, faudrait que je la chope. Bâtard, généralement, ils vont en arrière. J'ai envie d'aller chercher la vie, mais bon. Vous avez 10 secondes. Oh. Oh la chatte que j'ai eue. Oh, j'ai bien fait d'attendre. Nickel. Du coup, on est toujours à 6 vies. Ok, on va aller. Ah, ok, on va attaquer lui. Fucker. Et bizarrement, c'est plus facile, entre guillemets, hein, plus facile que les autres. Ah, je l'ai vu. Ah, je t'ai vu, petit coquinou. Je t'avais vu, je t'avais vu, je t'avais vu, je t'avais vu. Putain, bâtard, va. Il vous reste 5 vies. Vous avez 10 secondes. Mais non! Mais je l'avais. Mais non. Mais mon jeu aussi, mon shoot est nul, quoi. Putain. Ok. Bon, pour l'instant, on est toujours là, donc c'est cool. Si je pouvais me remettre, par contre, un truc de vie là, je sais que en équipe, en double, en duo, on avait la possibilité de le faire, mais là, faut croire que non. Ok. Bon, alors. Qu'est-ce que j'ai le choix entre plaque d'armure ou armure complète? Il reste 10 secondes. Bon, vas-y, on va prendre ça, hein, plaque d'armure complète, je pense. Ouais. Armure complète, c'est peut-être mieux, je pense. Donc, j'ai toujours 5 vies sur 6. Bah, j'en ai perdu inutilement, là, comme un con. Et du coup, on va tout simplement essayer. Voilà, on va faire comme tout à l'heure.
patient. Ah putain, je suis nul à chier. Quoi? Comment il m'a eu ce bâtard? Oh là, je vais me venger. Il vous reste plus que 4 vies. Mais putain, mais comment il a fait? Mais. L'ennemi a pris vos vies. Fils de pute. Mais putain, mais ce bâtard, j'aurais pu le tuer une fois, au moins une fois. Et je me suis pris. Putain, mais. Voilà comment je vais crever. Tuto comment crever, on va appeler ça. Là, je vais le voir, je vais me faire tuer. Bon, mais j'ai plus que 2 vies, hein. Clairement, pas ouf, quoi. Plus que 2 vies. Faites attention. Ah bon? C'est votre dernière vie. Ne la gâchez pas. Comme je suis mort comme une merde, quoi. Ok, bah. Dernière vie, c'est le moment ou jamais. Bah de crever, ouais, c'est le moment de jamais, t'as raison. Vous avez 10 secondes, c'est votre dernière. Je l'ai tué là. Hein. Dernière vie, c'est le moment ou jamais. L'ennemi a pris vos vies. Putain, mais non, mais putain, je suis passé de 5 vies à 1 vie en 2 manches. En deux manches, là je vais me faire déglinguer. Si le mec je l'élimine, je suis vraiment un boss, mais bon. Me connaissant, je vais me faire déglinguer. Vous êtes le dernier survivant, toute l'équipe compte sur vous. Bah non, je suis mort, connard. Bon bah... Tu comptes sur moi sans déconner mec, je me fais niquer par tout le monde. Vous avez 10 secondes. A pris vos vies. Ah, je crois que c'est là où on peut acheter des vies du coup quand on a 0. Ou alors je suis dans la merde, clairement. Ça m'étonnerait pas. Ok. Mais je m'en fous de tes grenades. Dans tous les cas, je l'utiliserai pas, je vais crever avant. Armure complète, plaque d'armure. Bon, on va prendre ça le plus cher. Hein. Ok. Ok, tac. Bon bah clairement il nous reste 1, 2, 3, 4, 4 équipes, dont une toujours à 6, hein. Le mec je sais pas, le mec il doit être cheaté, c'est pas possible, il va pas me faire croire qu'il est mort 0 fois depuis le début. Bref, du coup je suis clairement le prochain sur la liste, hein. Lui le mec il a 4 vies, moi j'en ai 0, donc je me fais tuer une fois, je suis mort. Voilà comment ça fonctionne. Donc là déjà ce que je vais faire c'est ça. Ne la gâchez pas. Voilà. Monte. Oh, merci, 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 merci. Merci mon dieu. Il est mort comme moi. Oh putain, j'ai le meilleur shoot. J'ai le meilleur spot, je veux dire. À part s'il m'envoie une grenade, fils de pute. C'est ce qu'il va faire, c'est sûr à 100%. Je suis sûr, il va m'envoyer une grenade dans la gueule. Heureusement, je vais pouvoir esquiver, je pense, mais ça va être chaud. Impossible de s'allonger, mais je suis allongé, il est complètement con, quoi. Vous avez 10 secondes. Bien, prenez leur vie.
sécuriser les stations de ravitaillement. Ok. Donc bon, voilà, je me suis fait déglinguer et il nous reste avion d'espionnage, plaque d'armure, vas-y, on va prendre ça. J'ai une vie, hein, c'est le seul point positif, je pense, si on peut appeler ça un point positif. Oh putain. Oh vas-y, on va prendre ça. Et en arme secondaire, on va prendre ça. Voilà. Ensuite... bah je crois que c'est tout. Hein. J'ai couteau de lancer, on sait jamais. Voilà. Donc là, niveau équipement, je suis pas mal. Il y a moyen de faire du sale, sachant qu'il nous reste 4 équipes, dont une qui est actuellement... bah, deux qui sont actuellement à 5 et une à 4. Donc il faudrait que j'élimine George, ensuite il faudrait que j'élimine Fabler. Et pour finir, si j'ai vraiment de la chance, Fox et WoW pour être premier. Mais franchement, ça va être chaud et clairement, je pense que j'ai plus de chance pour éliminer la, celle qui a une et 4. Par contre, si je tombe sur Fox ou Aou. Voilà, donc là je vais crever directement les amis, vous allez pouvoir voir ma défaite bah, d'un coup comme ça. Comme une merde, hein, clairement. Est-ce que j'ai envie de crever? Eh ben non, pas du tout. Suis-je un Bambi? Dites-le moi en commentaire. Je me sens pas très bien. Vous avez 10 secondes. Chez. Et là. C'est chaud, ok. Ok, ok, on a réussi. Ensuite. Ok, re-ravitaillement. La vidéo va être longue, je pense, hein, mais bon. Voilà. Ok, donc on a démolition, pas de course, fantôme, entraînement à la survie. Ok, sinon j'ai quoi? Avion espionnage, j'en ai rien à foutre. Couteau, pareil, j'en ai rien à foutre. Arme gratuite, oui, bon, sans plus, quoi. Oh putain. Pas de course, tracker. Oh putain, je sais pas ce que j'ai pris, bordel de merde. Bon, j'espère que c'est bon, mais dans tous les cas, parce que si j'avais pu acheter une vie, je l'aurais acheté direct, hein, clairement. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas. Donc là, je suis contre Fox sur une map incroyablement dure et stressante. C'est pas possible, c'est pas possible, putain. J'ai une mitraille, une grosse batteuse devant avec moi. Je crève, le mec il m'aurait tué 5 fois. Voilà, donc j'ai été éliminé, 4ème place, c'est vraiment de la merde. Donc j'espère les amis que... Putain, chier quoi. Donc voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner et à partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Fixy, portez-vous bien. Peace. Back from the dead.